Il s'agit surtout de visites de contact dans la tradition que le Niger a établie depuis son indépendance, conserver l'amitié de la France, mais élargir ce cercle d'amitié avec des pays nouveaux, d'autres pays à travers le monde. En Extrême-Orient, c'est surtout pour moi l'occasion de faire plus ample connaissance avec la République de Chine, la République de Corée, le Japon, le Cambodge, la Thaïlande, Ceylan, le Pakistan, avec un arrêt très rapide et technique dans une ville de l'Inde également. Alors je pense que sera l'occasion de connaître les étapes déjà franchies par ces pays asiatiques qui, comme nous en Afrique, sont engagés sur le chemin difficile de la lutte contre le sous-développement.